Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve devant vous lorsqu'il s'agit de vous présenter Réaction, Réaction premier numéro de la semaine. Nous sommes aujourd'hui à mercredi 25 janvier 2023. Nous allons réagir à une actualité Mokoezo Salabiso Soni Pe Namawa. Le Rwanda, comme vous aviez lu dans le titre, fait fi aux démocrates, à notre pays, quoi. Et surtout à son président, le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avions essuyé des tirs sur notre avion à Goma, dans notre territoire. Le Rwanda a revendiqué cette attaque en disant que la République démocratique du Congo a violé son espace aérienne. Et puis c'est comme cela qu'il a tiré sur l'avion. Qu'est-ce que nous attendons de cette action du Rwanda? Tozo zelani ni biso ba Congolais. Eza koye bisabino, eza kola kisabiso, koma Rwanda azali na ye na bobangi ata mokote. Aza na bobangi mokote, toleli mingi, nous avons crié sur le plan international que le Rwanda est en train de nous agresser, tout ça. Mais le Rwanda ne fait absolument aucun fi. Et ça, et taliban gote. Binobo le la le la kaka. On m'apprend d'ailleurs que, peut-être qu'il faut vérifier cette information-là, que le M23 va faire tomber Masisi d'un moment à l'autre. Peut-être que Basi va zuiper Masisi. Alors, tu cries sur le plan international que non, voilà, le Rwanda est en train de nous attaquer. Il les revendique officiellement aujourd'hui en disant que le Congo a violé l'espace aérien et puis tu Betty Bango Masasi. C'est tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Congo. Bandeko Rwanda ezanango na bobangi ata mo côté. Naeb saka bino ana lobi ngai makambo ya kosala to supporter FARDC tout ça. Je vous ai dit le problème n'est pas de nos forces du FARDC. Problème est na Kinshasa. Problème est na biso moko ba congolais comment ndenge nini tozako tia série na makambo na biso. Une bombe explose dans l'église biso wana tokei na toke na Davos. On n'est pas sérieux dans tout ce que nous faisons. Et c'est dans le même région, dans le même province où il y a état de siège. Bandeko, conclusion Zanini, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon Yama Makambo et Zako Salema? Naibisa Kibino, Natila Kabino Ana Lobi, M23 Yangwe Lobi, devant eux, il n'y a pas d'armée. Armée Zalité. Bandeko, l'armée, ce n'est pas les gens que vous allez voir comme ça, que bozoti nananani na front. Ce n'est pas ça l'armée. L'armée, c'est tout un ensemble. Et ça, il faut que vous concevoir comment est-ce que vous travaillez. Notre armée travaille comment? Awa, toloba ki ba réforme, tout ça, na kati armée. Maintenant, tozo yo kasoni. Ça, c'est de la honte. Que Rwanda bandako ridiculise biso boye et puis a revendiqué lobi oui to tiré avion ana et survola ki espace aérien na biso. C'est vrai, c'est faux. A Kinshasa de nous répondre. Mais Kinshasa lobi bango bazalaki kuna te. Bon, ce qui bango bazalaki kuna te, c'est que Rwanda zo ko tumo labino bon réagir kasit. Réagissez maintenant. Tozongi si mokila na kati ya makolo na biso tozozonga tozozela. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'est ça la question. Kinshasa bokosala nini? What are you going to do now? Mutafanya nini sasa? Qu'est-ce que vous allez faire? Ezal susute ke akobomba ke oboye boye Rwanda la kisi ke no ekoko beta bino anytime. Natango bango balingi. Voilà là où nous en arrivons aujourd'hui. Pona nini? Parce que dynamique interne na biso ezali na kokemba te tozo kembisa mboka na biso te na ndenge ya bomoko.
nous sommes pratiquement divisés. Pendant qu'on est en guerre, on prépare les élections. On dirait ba élection ngonde mute ko rétablir sécurité na Ituri na Nord Kivu na Sud Kivu. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la sécurité ou bien ce sont les élections? Kinshasa ana musimamo hakuna musimamo. Tantôt ce sont les détournements. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre une chose après une autre? Nous voulons combiner les tout. Oh, Octotongi, oh, bah, université, oh, changement, boy. Pendant que nous n'avons pas une fondation en Mbokate, est-ce que nous ne pouvons pas nous retenir un peu? Total à nous, Bandeko. Total à nous, total. Solution à sécurité, oh, et qu'on s'en est. Est-ce que Kinshasa a la solution? C'est ça justement la question qu'on se pose. Est-ce que Kinshasa a la solution? Est-ce qu'ils peuvent nous dire exactement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que Togo Kendeka a voté Kakabo? Est-ce que nous ne sommes pas dans le plan de la balkanisation de notre pays? Parce que peut-être qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas accepter la balkanisation comme ça. Alors il faut y aller par la guerre. Et puis, est-ce que ce n'est pas ça que Kagame a yebisa ki Tshisekedi ke non pesa nga côté oyo mais nga toko s'arranger côté oyo ezala nango. Est-ce que toutes ces questions là reviennent? Mais biso wana kaka sur la communauté internationale, oh non, Rwanda mtu boy M23 bazo ko attaquer biso bazo ko menacer Congo, tout ça. Est-ce que ça a donné quelle est la solution que ça a donné? Bah criaima nyonso wana ko kenda ko se plaindre toujours et sur le terrain vous ne faites absolument rien. Je vous ai dit que cette armée est incapable de gagner une guerre. Mapinga na biso e kokina nu ko gagner bitumba ta mo côté. Au Rwanda za ko lakisa biso ezali ko yebisa biso ke non boza na bino na force ata mo côté. Est-ce que nous ne pouvons pas chercher de la solution en interne? Bandeko, ngana ebisa ki bino boye, naloba ki boye. Je veux me répéter et je ne cesserai de me répéter parce que je suis convaincu que c'est par là que nous allons trouver une solution. Solution ya est, ya République démocratique du Congo. Ezate kaka to kende na bitumba te. Il faut tout se consolider na kati ya mboka. Obtenons d'abord une solution globale à notre problème interne de notre pays. Que cette solution-là puisse aller résoudre l'Ikambwa Est. Chaque province va résoudre le problème na bango ya insécurité. Le problème o ezali awa bande konaza ko yebisa bino tous les jours. C'est un problème d'identité. Batu ba se prendre en charge. Boza komona nguma wana ezana STT. Les gens à l'est ne peuvent pas se faire malmener par les Rwandais, jamais. À l'est de la République démocratique du Congo, le peuple Kunande, le peuple Bashi, le peuple Hunde, le peuple tout, ils ne sont pas d'accord avec les Rwandais venir chez eux. C'est pour cela qu'il faut tous dans la politique moko globale, il y a qu'on se déterminer kuna banani nde bazaba congolais banani bazaba congolais te. C'est comme cela que nous avions dit ici. Appelons les états déliés de chaque territoire. Que ba territoire neti ya Masisi, que ba tunyoso tu o bazalaka na territoire ya Masisi, bas ba kutana. Tokende to réfléchir sur une nouvelle constitution. C'est ça qui va nous sauver bandeko. Nous Congolais, nous allons parler de la nouvelle constitution. Parler de la nouvelle constitution qui transmettra le pouvoir au niveau de la base. Pour que tout le monde construise la base, wana, na loba ki boye. Na ba territoire wana nyoso oyo, et ça na ba insécurité. Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, kote kuna nyoso. Tangu toko benga ba état de lié ya ba territoire wana. Tous ceux qui ont pris les armes doivent venir aussi dans ce colloque-là, il y a un état de lié. Batounyo soana, bakote kuna, prenons les risques de dire que non. Biso awa, basoda na biso ba militaire na territoire oyo, baza autant. Voici to cantonné bango, ezala na contrôle ya batona baza ko guider ba état de lié wana. Parce que, bakoloke onyo soesale makezala kana pouvoir ata mon côté.
Mais c'est les États de l'UE qui vont réfléchir sur la révision de la constitution ou bien une nouvelle constitution en Congo à Sika. Batouana ne va causer la prise en charge à Batounio, surtout à Bazabassina, Mandoki à Koloba. Boya awa, tozo solo la pona Congo à Sika. Et puis, votre rôle, ça sera de sécuriser ces états de lien que nous allons faire. Parce que awa, ne toko discuter ma kambo à pouvoir dans votre territoire, Nabiso, et toko discuter ma l'avenir de nos territoires, nous allons le prendre dans la globalité, na rekati à République démocratique du Congo. Ezate pona ko diviser mboka, mais ezake batu nyonso tuba kende ba solola pona Congo ya sika, que toutes ces propositions puissent venir de la base tolo ba bon awa sécurité ezako kozena ezako zala kozena nani banani yango bazotia mizozo problème nini yango ezali awa. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de commerce, sur le plan administration, il y a un territoire qui est là. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont un territoire. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ont un territoire qui s'identifie. Parce que pendant que nous allons commencer ces états de lieu-là, nous allons lancer les états les identifications de la population dans chaque territoire. Chaque territoire, il y a une identification à Bango. Ba identification wanande toko mema nango na province et puis province to memi ango na République démocratique du Congo pour que to yeba toza combien exactement. Je vous assure que mu Congo oyaza na kati ya nani ya territoire ya Rutshuru ako s'identifier comme mu Congo to koboya na biso batute, mais les étrangers vont fuir d'eux-mêmes parce que système obiso toza kolobela a to kosala pona identification ya batu. Il faut ezala et tenir compte ya batu o na kati ya ba mabele na bango. Soki munyamulenga za na mabele te ako s'identifier comme étranger. Nous n'allons pas chasser quelqu'un, nous n'allons pas faire quoi que ce soit. Mais si koba to ba simba mandoki ba koya faire des scènes abiso toko cantonné en go en attendant que non bitumbeza la terre parce que ekobona na ka que non ba faire de cette terre. Les politiciens o bazako solo la pona Congo asika bangonde mutu ba ko convaincre ba tu o ba simba mandoki ba ya ba vanda et plutôt sangana to sa la ba police à proximité en attendant que toi ko sala armée mobimba ya malamu. Batu wana pe ba faire de ce ebele ba wana baza côté kuna batu ba ko s'identifier comme ba citoyen, mais s'ils veulent entrer dans la police de proximité toko tia mécanisme moko de façon ko to tia sécurité nanu na kati ya mboka. La seule façon ya ko lisir salikambo ya biso na Rwanda, parce que ba province wana e ko assurer sécurité ya ba frontière na bango e ko assurer sécurité ya bana ba état de Lyon ko zala na pouvoir ya ko désigner banani yango ba fo bazala kuna banani yango fo bazala kuna na ba frontière na ba biloko wana nyoso pour que je sois en mboka ezala tenu na ba par la base avant de voir comment est-ce que nous allons faire des élections un peu plus tard. Ça, c'est ça nos idées. Bandeko, ce qui toque na kaka na bandengo tozo kende boy. Balkanisation ko salema, et puis na ndenge balkanisation ne ko salema, les gens de l'Est vont souffrir makasi. Bako souffrir na makasi pona nini, parce que ekozala téléguidé par ceux qui sont en train de faire la guerre. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience que guerre o na ndenge tozo memelango eko pesa biso résultat ta mon côté. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi. J'espère que vous s'abonnez belé, abonnez-vous pour que vous comprendre idée wana na ndenge tolobela kango chaque samedi na kati ya nani ya Akila Faute na YouTube za ka émission en direct na émission live na YouTube na nani na Facebook et puis na Instagram chaque lundi à partir de 19h. Instagram est à la capé direct. Bon s'abonner pour que to kembi sa idée oyo boyoka yango malamu. Peut-être que ego koma na ba mato ya batoyo ba koyoka biso ba implémenter yango. Ça ne sert à rien d'aller aux élections na ba biloko eza ko sale maboye. Ça nous fait honte. Et la honte, c'est à ceux qui gouvernent maintenant. Je vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.